La maison France a des ennuis. Sa façade se décrépit. Les volets perdent de leur couleur. Son toit a quelques fuites d'eau. Les parquets ne sont plus très beaux. Et le locataire est un farceur. Les entreprises ne manquent pas pour tenter de remettre en état ce château bien connu de tous. Il voudrait montrer aux voisins qu'en France on peut faire aussi bien avec un marteau et trois clous. Qui vous dira qu'avec très peu et des entrepreneurs foireux, on peut redorer le blason avec l'argent qu'on n'aura pas. De velours, on tapissera. Et pour payer, y a des couillons. Les maîtres d'œuvre mal fagotés, sans cravate et le poing levé, vous promettront le grand jeu. Ils brancheront au tout à l'égout tous leurs projets et leurs discours. Une fois qu'ils se croiront chez eux, pour déloger le locataire, ils le mettront plus bas que terre, en mettant la vérité à l'abri. De l'autre côté des frontières, ils nous regardent et nous surveillent. Paris restera-t-il Paris? On a dressé l'échafaudage et après le remue-ménage. Pas trop de choses ont changé. Leurs chevaux marchent à l'électrique. L'ancien foin n'est plus sympathique, d'après des écolos branchés. La maison France est toujours là, mais pour se payer son repas, l'ouvrier trime davantage. Son bien-être n'a pas changé. Combien de choses ont augmenté? Ses plus beaux rêves ont pris le large. La 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 la